Tout d'abord, la création à mes côtés de l'espace économie-emploi, rassemblée dans un même lieu, autour d'un même objectif, les entreprises, fer de lance, donc la création d'emplois, création d'économie et d'emploi, les demandeurs d'emploi et les organismes de formation autour de la pièce maîtresse du fer de lance qu'est l'AIT. Nous avons donné un outil à notre recherche d'une nouvelle dynamique économique, au choc de confiance, je dis bien au choc de confiance que nous voulions créer. Et nous sommes entrés dans un cycle de développement économique et de création d'emplois qui nous a placés parmi les bassins d'emplois les plus performants en Aquitaine, mais aussi au niveau national. Je ne sais pas quoi dire pour vous remercier. Avec vos équipes, vous avez fait tellement de travail et vous avez été, comment employer le terme, la cheville ouvrière de développement de ce Terrassonnais. Et bien reconnaître qu'aujourd'hui encore, le budget de la ville est construit avec 60% des retombées économiques. Vous voyez bien que, et Dieu sait si on le dit, quand on crée de l'économie, vous connaissez mon slogan, quand on crée de l'économie, on crée de l'emploi, et quand on crée de l'emploi, on crée des richesses. Voilà. Et c'est ce que, malheureusement, nos hommes politiques, de droite comme de gauche, n'ont pas encore compris. C'est bien beau de parler toujours de chômage, mais si on parlait un petit peu plus d'économie, je pense que le chômage se porterait beaucoup mieux. Voilà, Président. Bon, je pense que la municipalité de Terrasson, que je représente, mon conseil municipal, tout entier, a souhaité vous remettre la médaille de la ville de Terrasson, qui est une médaille qui a été frappée, vous le verrez. J'espère que vous en garderez un bon souvenir de cette ville de Terrasson. Voilà. À l'heure où l'aménagement des territoires évolue constamment, création des communautés de communes, modification des cantons, regroupement de communes, notre bassin de vie a des atouts incontestables. Les différentes sorties d'autoroutes qui viennent d'être évoquées, différentes richesses industrielles et touristiques, pour devenir un élément majeur qui doit continuer d'exister entre les deux grosses communautés urbaines que sont Périgueux et Boïbes. Dans ce contexte, l'AIT doit devenir un élément incontournable du développement économique du territoire en s'appuyant sur les acteurs locaux, Pôle emploi, mission locale, espace économie emploi, maison de l'emploi, en collaboration avec les élus et les institutionnels, tout en véhiculant une autre image de l'entreprise et en gardant son indépendance. Le vice-président sera M. Éric Chambouli, société SOCAP, également illustré. Alors, je vais appeler, donc, c'est un peu comme dans un jeu, moi aussi, j'appelle. Éric Chambouli, pour Delmont Industrie, s'il veut bien venir sur scène. Monsieur Maillard, Philippe Maillard, de la Mécatec. Alain Chaumont, de Frussec. Nicolas Henry, pour Atelier œuvre de Forge. Et Michel Reynaud, pour les carrières de bon temps.